Paul et Luc organisent chaque année un trip chasse sous-marine, loin de tout, à la découverte et à l'aventure. Fan et Fit, leurs deux compères thaïlandais, les accompagnent. Les gens qui nous amènent dans ces trips, les locaux, connaissent les zones. Donc ils ont vraiment un sens du poisson très développé. Ils connaissent les dangers. Ils sont très bons, des très bons chasseurs. En général, la nuit tombe de bonne heure, donc on est dans l'eau assez tôt. 6h30, 7h, on commence la première apnée et il nous arrive de finir vers 18h. Nous ne sommes plus très loin de la zone. Il est temps de se préparer. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Première mise à l'eau, Paul et Luc sont accompagnés d'Adrien et Fan. À tour de rôle, les chasseurs vont filmer leur action. Leur binôme, rodé depuis plusieurs années, est aussi un gage de sécurité et d'efficacité. Le rôle des deux accompagnants est de veiller à la sécurité des deux chasseurs. C'est pourquoi ils n'ont pas d'arbalète. C'est entre un petit peu une variation entre coralligène, tombant, gros bloc, et tout ça dans un courant assez fort. Donc en fait, on change très rapidement de zone et de façon de pêcher. On peut employer les trois techniques bien connues des Méditerranéens. C'est la chasse à l'agachon, qui marche très très bien. Se poser à l'agachon, attendre quelques instants que les petits poissons retrouvent leur calme et observer. Puis avancer de 2 à 3 mètres et recommencer. Après, la chasse à trous, malgré le peu de grottes et cavernes sur cette zone. Il faut vraiment être sûr de soi. Hein. On peut tomber nez à nez avec une très grosse murène, se bloquer le matériel. Il y a beaucoup de coraux, il y a beaucoup de coquillages, ça coupe. Les oursins, poisson-pierre, hein. C'est très dangereux. Il faut vraiment maîtriser le sujet, pas aller au-delà de ses capacités. Et si on a la chance d'avoir l'eau claire, la chasse à la coulée ou la chasse à la dérive même, même l'indienne peut être payante au bord. Chasser en Thaïlande, il faut quand même être conscient que ça va être très dur. Dans certaines parties de Thaïlande, entre autres, quand on descend vers la Malaisie, il y a beaucoup de courants. On est à l'entrée du détroit de Malacca, il y a beaucoup de courants, il faut avoir une bonne condition physique. Être de temps en temps à l'aise dans l'eau sale, parce qu'elle n'est pas toujours cristalline. Au large, elle est plus claire, mais il faut avoir une très bonne condition physique. C'est Adrien qui s'en revient, avec une très grosse carangue. Comme quoi la chasse sous-marine réserve parfois de belles surprises dans très peu d'eau. Il y a beaucoup de gros blocs, qui sont très intéressants d'ailleurs, où il y a souvent des gros poissons qui se mettent dessous. Notamment, ce qui est surprenant, c'est que les carangues, qui sont pourtant un poisson pélagique et qui nage beaucoup, les grosses carangues, jusqu'à 30-40 kg, peuvent rentrer à la trou. Donc c'est très surprenant de tomber nez à nez avec un si gros poisson. 23, before. Yeah, yeah, 73. Yeah. Ah, yeah. 22, 26, 25, ouais. Enfin, allez, on va dire 23 des fois. 23 kilos. Yeah, beau fait, beau fait. Mon plat préféré. En fait, pas du tout. Donc, on vient de passer deux très bons jours de pêche. On a rencontré beaucoup d'eau claire, des nombreux poissons, surtout moins gros que ce qu'on pensait. On s'est quand même fait très plaisir, notamment sur des carangues, sur des plamous, sur des becs de canne, beaucoup de mérous. By the way,
finit vers 18h. Donc c'est des journées entières. Si les marées sont fortes, je peux vous dire que c'est du sport. Les apnées, c'est entre 80 et 110, à peu près. Une heure et demie d'apnée pure par sortie. Donc on dort bien le soir. Le poisson, il se mérite. Il se mérite ici. Ouais. Moi, le plaisir avant tout, c'était de se retrouver entre amis, de partager un moment de vie avec des tailles qui étaient assez folkloriques. On confie sa vie, on partage le poisson à la fin de la chasse. Ce sont des moments magiques.